Mettre ses atouts en avant, Émilie Neffnaf sait le faire. L'ancienne star de télé-réalité sait comment faire grimper la température chez ses fans. En effet, sur son compte Instagram, la belle brune n'hésite pas à se dévoiler dans des clichés très sexy, comme ce lundi 30 août. Il faut dire que la maman de deux enfants a un corps de rêve avec ses jambes longilignes qu'elle a décidé de mettre en avant dans les photos dévoilées. En effet, la belle brune pose assise sur un escalier, les jambes croisées sur la première photo, alors qu'elle se trouve posée sur la rambarde de l'escalier dans la seconde. Émilie Neffnaf en met alors plein les yeux à ses fans qui n'ont pas hésité à la complimenter pour cette série de clichés allant de l'élégance à la sexy attitude. Il faut dire que la vie de la jeune femme a bien changé ces dernières semaines. En effet, après s'être séparé une nouvelle fois du père de ses enfants, le footballeur Jérémy Ménès, la belle brune a déjà retrouvé l'amour, comme elle le dévoilait le 9 août dernier dans une photo postée en story Instagram. On pouvait ainsi la voir dans les bras dans un beau barbu, la tenant tendrement dans ses bras. Ça y est, stop! Est bon malgré un amoureux retrouvé, Émilie Neffnaf a décidé de rester en Italie, le pays pour lequel elle avait déménagé avec son ex-compagnon Jérémy Ménès. En effet, le 16 août dernier, elle expliquait les raisons pour lesquelles elle avait pris cette décision. Pour faire court, si est vrai qu'à la base, je voulais rentrer. Mais comme leur papa est toujours ici et comme ici pour arriver, si est-il la misère. Pour qu'il le voit, si est-il plus simple si je suis ici. Et je me plais bien, je me suis trouvé vraiment des amis et plein de belles choses. Des projets. N'oubliez pas que jamais, jamais, votre bonheur ne doit dépendre de quelqu'un. Ça veut dire, ok vous pouvez être triste, mais vous ne pouvez pas être triste pendant des semaines, des jours, des mois. À un moment donné, ça y est, stop, si est-il bon. Pour elle, la tristesse, si est-il au passé, place à l'avenir.